Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. On va parler de quelqu'un d'autre là cette fois, d'une ancienne copine d'Arachné en fait, qui s'appelle Niobé. Alors, Niobé, c'est une reine, hein. C'est la fille de Tantale. Elle a épousé Amphion, et Amphion étant, malgré son nom, étant en fait le fils, lui-même un fils de Jupiter. Donc voilà, donc c'est déjà quelqu'un d'assez important, quoi, d'assez puissant et d'assez fort. Donc c'est la reine de Thèbes, donc la Thèbes, la ville fondée par Cadmos, hein, dont on avait parlé il y a quelques épisodes. Et donc vraiment, elle est, voilà, elle est en plein, elle est belle et tout, elle est vraiment très très sûre d'elle, et elle se sent vraiment supérieure au commun des mortels, et même supérieure aux dieux. Et puis un jour, il y a une prophétesse, qui se trouve être la fille de Tirésias, dont on avait déjà parlé. Et elle dit qu'il faut faire des processions et prier Latone, donc la mère de Diane et d'Apollon, et ainsi que Diane et Apollon quand même, parce que voilà, c'est le moment de les fêter. Bon, du coup, il y a des processions un peu partout dans la ville, et Niobé, elle sort, et elle dit, non mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous faites des processions pour Latone, quoi? Ça aurait été un dieu de l'Olympe que vous fassiez des processions, etc. Mais là, Latone? En plus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu combien d'enfants déjà? Attends. Un, deux, elle a eu deux enfants. Tu sais, j'en ai eu combien, moi? Moi, j'en ai eu sept garçons, sept filles. Ça fait 14 enfants. Alors, franchement, Latone à côté, c'est de la blague. En plus, je veux dire, elle a dû accoucher en cachette, hein, parce que sinon, Junon, elle allait lui faire la fête. Alors que moi, j'ai pu accoucher tranquillement et tout. Pourquoi vous priez Latone? Vous devriez me prier, moi. Après tout, moi aussi, je suis descendante de Dieu. Je pourrais très bien être, je vaux autant en Latone, ou si ce n'est plus, pourquoi vous priez pas, moi, après tout, hein? Bref, elle fait interdire les processions, les prières envers Latone. Bon, les gens arrêtent parce qu'ils sont bien obligés, mais quand même en cachette, ils prient un peu Latone parce qu'ils savent qu'il faut prier Latone. Latone, elle voit ça, elle entend ça et elle est pas bien, elle se met à pleurer. Ses enfants arrivent et lui disent « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?»« Non, rien, c'est cette Niobé là, elle prétend que je suis pas une vraie déesse. » Dégoûtant, quoi, après tout ce que j'ai subi. Là, les dieux, ils disent « Oh, écoute, maman, t'inquiète pas, on en fait notre affaire. » Ils descendent sur Terre. Comme je disais, Niobé avait 7 enfants. Garçon, 7 enfants, fille, donc ça fait 14 enfants. Bon. Il y avait les deux aînés qui étaient en train de faire du cheval, voilà, qui étaient en train de se promener dans la campagne à faire du cheval, et puis d'un seul coup, il y en a un qui reçoit l'aîné, qui reçoit une flèche en plein cœur. Alors, on ne sait pas du tout d'où ça vient, lui, il meurt sur le coup, mais l'autre enfant se met à courir, enfin, galoper pour s'enfuir, il ne sait pas d'où viennent les flèches, etc., mais il entend une flèche, soum, soum, une deuxième flèche, et finalement, pss, il y a une flèche qui l'atteint, il meurt sur le coup. Au même moment, il y avait deux autres frères qui étaient en train de jouer à la lutte, donc ils s'amusaient bien, etc. Et d'un seul coup, fou, il y a une flèche qui les transperce les deux, ils meurent les deux sur le coup. Là-dessus, un autre frère arrive pour voir ses frères qui viennent de se faire tuer, et en y allant, bim, une autre flèche dans le cœur. Il n'en reste plus que deux garçons. Il y en a un qui est encore assez petit, il reçoit une flèche derrière la jambe, il regarde la flèche, il essaie de l'enlever, mais au moment où il essaie de l'enlever, bim, une flèche dans la gorge là. Et enfin il y a le dernier qui se met à prier, qui dit « Oh non non, s'il vous plaît, épargnez-moi !» Alors Apollon il voudrait l'épargner, sauf que manque de bol, la flèche était déjà partie, et il se fait atteindre en pleine poitrine, et il meurt aussi sur le coup. Donc là, Niobé, elle entend ça, elle entend la mort de tous ses enfants, elle dit « Oh là là, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça se fait pas, bon, au moins j'ai encore mes filles, hein. Tant que j'ai mes filles, tout va bien. » Ouais, t'as encore tes filles, ouais. Même scénario. Les filles vont, il y en a une partie qui vont voir une partie de leurs frères qui sont morts, et bim, elles se font toucher par des flèches. Et il y en a plusieurs comme ça qui se font toucher par des flèches. Elles se font toutes massacrer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Niobé, elle prend cette fille dans ses bras et elle dit « Non, 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 s'il vous plaît, il me reste plus que celle-là. Épargnez-la, s'il vous plaît, épargnez-la. Je vous en supplie, épargnez-la. Elle y est pour rien là-dedans. » Manque de bol, la fille a déjà reçu une flèche, elle est morte. Amphion, le père de ses enfants, apprenant ça, lui aussi s'enfonce l'épée dans le cœur. Niobé est toute seule. Elle est toute seule, elle est complètement abandonnée. Elle regarde le ciel, elle se met à pleurer, pleurer, pleurer. Et petit à petit, elle se transforme en rocher, en marbre. Voilà, ça c'est l'histoire de Niobé, un peu terrible, hein, n'est-ce pas? Il y a des paysans qui entendaient cette histoire, qui ont entendu cette histoire de Niobé, et qui disaient que c'était absolument terrible. Ils étaient en train de s'amuser, de discuter un petit peu. Et puis il y en a un qui décide de raconter une histoire, qui lui dit « Tiens, à propos de Latone, j'en ai une bonne. Un beau jour, je me promenais comme ça dans la campagne, et puis je suis tombé sur un rocher un peu bizarre, au milieu d'un lac, un peu à l'abandon, enfin pas vraiment à l'abandon, mais dans un drôle d'état, quoi. Je suis allé voir les paysans et je leur ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce rocher étrange là-dedans? C'est pour une déesse quelconque, etc. » « Ah oui, c'est pour la déesse Latone. » Quant à lui, ses enfants, là, donc elle se cachait pour pas se faire attraper par Junon. Et bon, bah les enfants, c'est des dieux, donc ils ont bu tout son lait. Elle était complètement assoiffée, elle est arrivée vers cet étang-là. Et elle voulait absolument boire dans cet étang. Sauf qu'il y avait des hommes qui étaient là et qui lui ont dit « Non, 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 tu vas pas boire dans l'étang-là, ça se fait pas. » Là, elle leur a dit « Non mais attendez, comment vous pouvez m'interdire? Je veux juste boire, c'est rien du tout quoi, je veux juste boire. Je veux dire, il y a des choses qui appartiennent à tout le monde. Les étangs, l'eau, elle appartient pas à vous, elle appartient à tout le monde. Comme l'air, comme le soleil, pourquoi est-ce que vous voulez m'interdire comme ça ?»
Non, tu viens pas. Non mais attendez, regardez, j'ai des enfants, regardez, ils vous tendent même les bras. Et effectivement, les enfants leur tendaient les bras. Alors eux, n'importe qui aurait été bien sûr adouci par cette histoire. Mais eux, ils veulent rien entendre. Ils l'insultent et même, ils vont même dans l'étang et ils se mettent à taper dessus pour que l'eau soit complètement tourbe et donc elle ne puisse plus boire alors qu'elle était vraiment assoiffée, vraiment. Elle demandait juste 3 gouttes, quoi. Là, elle prie des dieux de lui venir en aide, de punir au moins ces gens. Et elle est entendue puisque ils étaient en train de rigoler. Et ils se sont transformés en grenouilles. Voilà, ils se sont tous transformés en grenouilles. Alors ils continuent à proférer des insultes, à rigoler, etc. Mais maintenant, ils font moins les fiers. Là, un autre paysan, en entendant cette histoire, dit « Ah oui, ça me rappelle la fois où vous rappelez ce satyre-là qui avait décidé de faire un concours avec Apollon parce qu'il avait trouvé un instrument comme ça et il s'est amusé à jouer, il avait fait le concours avec Apollon. Apollon l'avait bien sûr étrillé complètement dans ce concours et finalement, pour le punir, il lui avait arraché toute la peau. Vous vous rappelez ça ?» Ouais. Ouais, c'était une belle histoire, ça, ouais. Oui, bon, on s'amuse comme on peut, hein, les paysans racontent les histoires qu'ils veulent. Voilà, à peu près où ça s'arrête. Alors, pour l'enterrement de Niobe, donc il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, les enfants qui pleuraient Amphion, le roi, mais pas grand monde qui pleurait Niobe, sauf une personne, Pélops, qui se trouvait être le frère de Niobe, donc lui c'est le fils de Tantal, et Tantal avait découpé Pélops pour le donner à manger aux dieux. Bon, les dieux l'avaient finalement ressuscité, et ils l'avaient reconstitué comme ils avaient pu, sauf que Déméter avait déjà mangé un morceau de l'os, là, et du coup on lui avait mis de l'ivoire à la place. Donc ça c'est Pélops, donc c'est le frère de Niobe, et c'était le seul à peu près à pleurer Niobe. Voilà, cette histoire s'achève ici, on se retrouve très prochainement. Je dis jamais d'ailleurs, j'y pense pas, mais n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre des likes. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, et ça, c'est vraiment, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Donc n'hésitez pas, voilà. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Fiamoi D, avec un tiré du bas entre Fiamoi et D. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter, je fais des trucs pas mal en ce moment, je m'amuse beaucoup. Bon, et puis, bon, bah, sur ce, on se retrouve très bientôt. Ciao!